Certains y voient déjà un bras de fer entre le président Félix Tshisekedi et une partie de l'opposition catholique. Dans son dernier communiqué, la toute puissante conférence des évêques catholiques juge le processus électoral mal engagé. La CENCO déplore notamment le manque de crédibilité de l'audit du fichier électoral. Le président Félix Tshisekedi, en déplacement dans la province du Kasaï oriental, a répondu fermement à la CENCO. L'État et l'Église ont l'obligation de collaborer, c'est ce qu'a soutenu le président congolais qui en même temps a alerté, je cite, contre une certaine dérive dangereuse de l'Église catholique qui risquerait de diviser la nation. La commission électorale nationale indépendante, elle, poursuit le processus électoral malgré les critiques. La période du dépôt des candidatures a été ouverte ce lundi pour les élections législatives. Alors à 6 mois de l'élection présidentielle, il y a tout de même eu un signe de décrispation. Denis Kadima, le président de la CENI, a annoncé la tenue de rencontres avec les leaders de l'opposition dans les prochains jours. Deux partis d'opposition ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas aux élections. Le parti de l'ancien président Joseph Kabila boycotte le processus électoral. L'opposant Martin Fayoulou a conditionné, lui, la participation de son parti à la révision complète du fichier électoral.